اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va faire une vidéo, mais c'est pour parler sur deux sujets très importants. C'est la réponse qu'on a eue au téléphone de l'avocat, Sébastien Courtois, par rapport à notre projet. Et la deuxième, c'est une question qui se pose très très souvent, c'est pourquoi je ne suis pas isolé et faire anonymement un petit groupe, mais faire la hijra toute seule et partir avec un groupe qui a fait déjà la hijra et la permaculture et l'autonomie et rejoindre un groupe. Et ces deux questions sont très importantes et il faut qu'on y réponde. Donc je vais commencer par la première avec pourquoi je n'ai pas choisi de rentrer dans un groupe et de me faire discret, de rentrer dans un groupe et ne plus commencer à faire des vidéos et de plus faire HPA. Et voilà, il y a des gens qui me reposent cette question. Eh bien la réponse elle est simple, c'est que j'ai voulu. Allah m'est témoin que j'ai voulu rentrer dans un groupe, je n'ai plus voulu faire de vidéos, j'ai plus voulu rien faire, j'ai plus voulu faire ça. Et j'ai rencontré un groupe de frères. Alhamdulillah, qu'Allah les récompense et tout ça. Ils ont dit, bien, on va faire la hijra ensemble, bien. Et ils étaient enthousiastes de le faire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, on avait déjà trouvé un endroit, un territoire, il y a eu commencé à avoir la pression des femmes. Et les femmes, ils ont dit, ah non, non, si Jean-Louis, il est dans le projet, non, non, moi, je ne veux pas, hein, j'arrête. Hein. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? Je veux dire, à un moment, je ne suis pas un criminel, je ne suis pas en train de... On est en train de parler de l'agriculture, de la permaculture, de donner à... c'est pas des patates islamiques, quoi, tu vois. C'est vraiment quelque chose de on n'est pas en train de faire des bombes ou quoi que ce soit. On n'est rien de dangereux. Et là, j'ai vu qu'il y avait un problème de paranoïa, si je peux expliquer ça comme ça, et de peur. Et tout ça, et j'ai dit, c'est pas normal. Et puis après, les frères eux-mêmes, ils s'y sont mis. Ils ont dit, comme, oh non, on va pas te mettre dans le statut, parce qu'on voulait faire une société dans le pays. Et ils ne voulaient pas me mettre dans le statut. Et moi-même, dit, si je fais la hijra, je dois me mettre à l'écart pour voir. Donc, c'était tout un truc qui était plus malsain. Je me dis, mais c'est quoi ça? C'est pas la hijra que... Je veux bien rentrer dans un groupe, mais comment ça? C'est presque que je deviens un paria même de mes propres frères. Et là, j'ai dit stop. J'ai arrêté. C'est là où je me suis dit, ben, il faut soit on est suiveur. Mais alors, les suiveurs, ils doivent être cohérents, ils doivent être lucides, ils doivent être francs, ils doivent être honnêtes. Parce qu'il faut être transparent pour un projet comme ça. Et il y a des peurs à avoir. Et il y a des sujets qu'il faut éclairer. Il faut éclairer la situation dans les temps de troubles qu'on est en train de vivre. Et donc, alors à ce moment-là, j'ai décidé stop. Et donc, j'ai décidé d'être moi-même un dirigeant de mon propre projet, Fisabilillah, et de commencer à faire moi-même mon projet. Et c'est là où a commencé HPA. Donc, c'est pas pour mettre en avant, c'est pas pour l'orgueil, c'est pas pour tout ça, c'est parce que j'ai pas d'autre solution, parce que les gens, ils ont peur ou ils sont parano. Et en réponse justement à ça, c'est par rapport à l'avocat. J'ai dû voulais vous rassurer, je voulais qu'il fasse une vidéo, mais il est pour l'instant dans un projet très... L'avocat Sébastien Courtois, il est pour l'instant dans un dossier très très compliqué. Et il est en train de... par rapport à ses procès. Et il a dit, c'est pas... pour l'instant, je peux pas commencer à faire... une vidéo sur tout ça, parce que ça pourrait être mal interprété, mais je peux garantir à tous ceux qui nous écoutent, ça c'est non, c'est ses paroles, il m'a dit que je devais le transmettre, il a dit que mon client, en parlant de moi, il a dû normalement avoir 20 ans, parce qu'on le recrutait, soi-disant, chef dirigeant et tout ça, et pour finir, ils m'ont mis que 5 ans, et même jusqu'en cassation, ils n'ont pas arrivé à me culpabiliser pour quelque chose que je n'ai pas fait, parce qu'ils voulaient me faire porter le chapeau qui n'était pas le mien, c'est-à-dire d'avoir soi-disant recruté des gens pour envoyer, alors que ce n'était pas vrai, ils n'ont aucun élément. Et ils se sont rendus compte dans mon procès, et on a dévoilé dans mon procès que c'était un homme qui a envoyé en Syrie des gens pour faire porter le chapeau. Et pour finir, ça a été dénoncé et je n'ai reçu que 5 ans. Donc ils ont jusqu'en cassation. Et donc vu que j'ai été en fond de peine et que j'ai payé ma dette envers la société, il m'a dit, il n'y a aucun problème que tu fasses un projet. Mais par contre, il nous a mis en garde. Et cette garde, moi, je vous la mets aussi en garde.
tous les... Il m'a dit, ne reste plus avec des gens illuminés qui sont des fous, des fanatiques, des gens, parce qu'ils pourront encore vouloir soit nous ramener un infiltré, soit vouloir nous mettre, nous dire, regardez ces gens illuminés. Et ces gens-là, moi, Allah mes témoins, je les déteste pour Allah. Les extrémistes dans le takfir, qui rendent mes créants injustement, qui commencent à être injustes. Moi-même, j'ai été victime de eux. Devant Allah, ils m'ont dit, je suis un mécréant parce que j'ai pris un avocat, et puis si, et puis ils rendent eux-mêmes mécréants les musulmans. Ils disent eux-mêmes qu'on est des kafirs. Ils disent que nos femmes et nos enfants, on peut les prendre en butin de guerre. Ils sont, c'est des gens dangereux, ils tuent des gens. C'est des gens, on les, ils étaient, peut-être, je fais une caricature, mais pour que vous compreniez comment je les déteste pour Allah, ces gens-là. C'est des gens, ils étaient dans la rue des fois, ils étaient dans un peu voyous, ils étaient un peu dans un système un peu perdu. Et puis quand ils se sont remis convertis, c'est pas tout le monde, hein, mais ces gens-là, en général, en extrémistes dans le takfir, peut-être ils étaient en train de rouler en voiture et ils écrasaient des pigeons. Et puis quand ils sont revenus dans l'islam, ils ont dit, ben, on va faire la même chose, mais version islamique. Et c'est là qui est dangereux. Moi, j'ai pas envie des gens comme ça. Moi, je me désavoue des gens comme ça. Moi, alhamdoulilah, mon seul objectif aujourd'hui, c'est de faire la permaculture, c'est de m'occuper de l'héritage de mes enfants, c'est de donner une image que l'islam, c'est aussi respecter la nature, c'est aussi ça. Ça fait partie du chemin. C'est pas de tuer des gens, c'est pas de faire... Allah, il nous a interdit l'injustice contre nous-mêmes et contre toutes les créatures. Si je fais du mal à un animal ou à un arbre, je vais être jugé pour ça. Donc c'est ça dans le sens, il faut bien être conscient que l'islam, c'est ça. Je veux dire, il ne faut pas commencer à venir avec des idées extrêmes. Je ne veux plus de ces gens-là. C'est des gens qui m'ont parasité, qui ont parasité notre dawa, qui ont fait du mal à l'islam à travers l'image qu'ils ont transférée. Et moi, je me désavoue devant Allah. J'essaye d'être dans le juste milieu, ni laxiste, ni extrémiste, dans le juste milieu, et qu'Allah me préserve des extrémistes. Voilà, donc le message, il est clair. Si vous êtes venu pour nous parasiter, il y aura un filtre de toute façon. On regarde toujours, avant de faire affaire, on regarde à qui on a affaire. Et bien justement, moi, je vais choisir d'abord mes voisins avant de construire. Les compagnons, c'est ce qu'ils faisaient d'abord. D'abord, ils cherchaient les voisins, et seulement après, ils allaient vivre à côté. Les voisins, c'est tellement important quand même qu'on a cru qu'ils allaient avoir un héritage. Donc vous voyez l'importance des fréquentations et des voisinages. Moi, je veux des gens qui sont sereins, équilibrés dans leur tête, qui veulent simplement faire la permaculture, qui veulent vivre de l'autonomie, qui veulent vivre avec la nature, qui veulent vivre en paix avec eux-mêmes. Je n'ai pas besoin des gens qui vont faire la fitna. Voilà, voilà mon objectif. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous renforce. Et voilà, et continuer à faire la dawa et propager les flyers, n'oubliez pas. On a des flyers si vous voulez les faire. Oh, je continue à vous faire la dawa, excusez-moi. Voilà, la flyers. Ça, c'est le recto. Ça, c'est le devant. Et ça, c'est l'arrière. Si vous en voulez, n'hésitez pas, vous faites appel à nous et on vous en donnera pour que vous puissiez les distribuer. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري اشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.